Saint John, vous êtes là? Oui, je suis là. C'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition? Vous bossez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais, ouais. Enfin, oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez? Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Chemult, près d'un château d'eau. Vous pouvez le trouver? Je vais pas... Écoutez, je me charge du camion, ok? Vous aurez votre... polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Hé, dis, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'un mec de la côte Est est venu foutre ici, aussi loin de chez lui? Ouais, c'est ça. J'ai servi avec un gars de Long Island. Disons que vous êtes facile à reconnaître. Ouais, je sais. Ben, c'est pas compliqué. Avant tout ce merdier, j'avais un site web qui s'appelait faitesparlerlapoudre.com. Oh, mais putain, mais c'est ça! C'est de là que je te connais. T'avais une émission sur le câble. Mon paternel la regardait tout le temps, quand j'étais gosse. Ton paternel avait bon goût. C'était une putain d'émission. Je parcourais tout le pays. J'allais sur des brocantes et des expos d'armes à feu paumées. Là, tu peux pas faire plus paumé que ça. Ouais, ça, tu peux le dire. Caporal Saint John, sois prudent, ok? Bonjour, caporal. Bonjour, sergent. Allons-y. J'ai rien d'autre. Caporal, faites attention à vous. Hé, hey, t'es pas censé être là. Caporal. Mais, faut que je te dise un truc. Vas-y. C'est pas la première fois qu'on se voit. Enfin... Toi, tu me connais pas, mais je suis de Farewell, comme toi. Avec mes potes, on vous regardait tourner. Et mon grêle, je veux dire. Sur vos bécanes, avec vos cuirs et tout. Sérieux, on vous trouvait carrément mortel. Ah, ouais, c'est vrai? Ouais, sérieux. J'avais pas mal de temps libre, j'ai dû arrêter le lycée, en fait. Ma copine est tombée enceinte, fallait que je trouve un taf. Et, tu sais... Si tu montes un nouveau club, un de ces quatre, Mongrel, n'importe, pense à moi, ok? J'en serai. Ouais, c'est pas pour après-demain. Non, je sais, mais on sait jamais. Hé, caporal, on se voit plus tard. Tout est bon. Saint John pour Whittaker. Caporal Saint John, oui. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, caporal Saint John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges.
Je fais que mon boulot, colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide... Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie, mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver est... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des progrès similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... Désolé. Colonel, je suis à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Vous l'avez retrouvée? Pas encore. Je vois une bécane de la milice abandonnée. Donc elle a pas pu aller bien loin. Excellent, caporal. Vous connaissez les ordres. Terminé. Embuscade de snipers sur la route, et merde. Fait plaisir, comme je te comprends. Des petites empreintes de bottes, ça doit être les siennes. Elles vont dans cette direction. C'est ça. Tiens, c'est quoi? Elle a dû faire tomber un truc. Qu'est-ce que t'as paumé, Crystal? Quoi que ce soit, tu tenais vraiment à le récupérer, on dirait. C'est quoi, ça? Une bague? Ok, ça en fait au moins une. Encore des empreintes de bottes, par là. Qu'est-ce qu'on a là? La neige jaune. Ben ouais, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Tu te crois vraiment tranquille là-dedans, pas vrai, Crystal? Encore des empreintes de bottes, par là. Saint John pour Whittaker. Caporal Saint John, oui. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, Caporal Saint John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges. Je fais que mon boulot, colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide... Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie, mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver est... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des progrès similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... Désolé, je dois y aller. Caporal Saint John, ici le colonel Garrett. Au rapport. Oui, chef. Oui, caporal. Nous avons une urgence. Un soldat, un officier, a déserté. Un officier? Un traître de la pire espèce. Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. Il a été repéré sur la circulaire du sud. La moto volée à un réservoir bleu. Trouvez-le, caporal. Oui, chef. Je pars à sa poursuite. Caporal, ramenez-le vivant. Du
suivant, colonel? Nous allons le pendre, caporal. Il servira d'exemple à ceux qui croient pouvoir se soustraire aux règlements de la milice, qui se croient au-dessus des lois de Dieu. Oui, chef. Rompez, caporal. J'ai entendu un truc. Il y a quelque chose. Ça peut servir. C'était quoi? Il y a quelque chose. Thank you.
J'ai vu quelque chose. Quelque chose. Quelque chose.
Oh ouais, c'était le dernier. Là-dedans. Ouais, c'est obligé. C'est bon. Ah, tu devrais mieux choisir tes potes, hein? Va chier! Hé, hé, tu te souviens pas de moi? Oh, si je me souviens de toi. Bien fier sur l'estrade à lécher les bottes du colonel comme un bon petit soldat. Oh, nom de Dieu. Tu sais pourquoi je suis là, hein? Ce salopard de colonel a dû mettre ma tête à prix. Alors fais ce que t'as à faire. J'en ai rien à battre! Qu'est-ce que tu fous? Je vais pas te buter, je veux juste... Donne tes anneaux. Ces anneaux, ils sont à moi. Ces fils de pute me les ont volés, c'est les miens. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est les anneaux ou ta vie. Alors tu choisis quoi? Tu peux bien aller te faire foutre! Avec plaisir! Dans une de ces cabanes... C'était pas si dur. Toujours utile. D'entre vous sont avec moi depuis le début. M'ont écouté quand j'ai prédit l'avènement de la peste divine. Ont fait le pèlerinage avec moi jusqu'à cet endroit. M'ont aidé à bâtir cette arche. Mais que vous soyez des nôtres depuis le début, ou que vous ayez rejoint nos rangs seulement aujourd'hui,
Vous faites maintenant partie de cette grande aventure. Vous faites maintenant partie de notre mission visant à sauver l'humanité. Je tiens à vous rappeler, à vous qui quittez cette enceinte pour accomplir votre devoir, que nous sommes toujours à la recherche de documentation digne d'être conservée au sein de l'Arche. Nous cherchons des livres de cours, des manuels en tout genre, des encyclopédies, des disques et autres supports. Le lieutenant Weaver a fait une liste des livres de chimie qui pourront nous servir. Le lieutenant Whittaker a fait une liste des manuels de biochimie, génétique et biologie dont nous avons besoin. Le capitaine Jiménez a fait une liste des livres qui nous apporteront l'enseignement nécessaire en médecine, anatomie et chirurgie. Le sergent Tomlinson a fait une liste de livres traitant de construction routière et de génie mécanique. Et le capitaine Hawkins est toujours à la recherche de documentation sur l'agriculture et l'hydroponie. Alors, quand vous partez en mission à l'extérieur, pensez à regarder si vous voyez ce genre de choses. Apportez votre contribution. Aidez-nous à remplir l'arche. Rompez! Colonel, chef, au rapport, je ramène les biens volés. Bien, caporal. L'ouvrière, ou plutôt la voleuse et la meurtrière, elle a résisté? Oui, oui, chef, on peut dire ça. Elle a carrément résisté, mais j'ai réussi à maîtriser la situation. Vous combattez du côté des vertueux, caporal. N'en doutez pas une seconde. Ce sont les criminels dans son genre. Les menteurs, les voleurs, les meurtriers, les toxicomanes. Qui ont attiré ce fléau sur notre monde. Je ne verserai pas une larme pour eux, pas une seule. Rompez, caporal. Oui, chef. Je retourne au boulot.
qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Colonel, je l'ai repéré. C'est bien lui. Rappelez-vous, caporal, je suis le vivant. Oui, mon capitaine, vous capturez. Allez, allez, pourriture! Merde! Non! La moto, dis, tire sur la moto! C'est quoi ton problème, hein? Déserter, c'est une chose, mais t'avais pas besoin de buter deux mecs pour ça. Lâchez-moi, pitié. Laissez-moi partir. Je vous dirai où j'ai tout planqué, juré. Désolé, mon gars, c'est entre toi et le colonel. Colonel, le tien, vivant. Je vous transmets les coordonnées. Bien, caporal, j'envoie une patrouille. Revenez vers moi plus tard. Terminé. Yeah.
devrait le faire. Que tu dis de ça? Colonel, Saint John de nouvelle. Caporal. Le capitaine Coury récupère le prisonnier à l'instant où je vous parle. Il sera jugé demain et pendu le soir même. Jugé ? Bien sûr. Chacun a droit à un procès équitable, ainsi qu'à une pendaison équitable, jusqu'à ce que l'on s'en souvienne. Ah ouais, je vois. Procès équitable, donc. C'est tout pour moi, terminé. Reste plus qu'à trouver le matos pour Weaver. Encore un. Feu à volonté. Il m'en faut plus.
un peu plus. Encore un morceau. Ça devrait suffire. Je vais marquer l'emplacement sur ma carte. Courir, on verra des hommes pour le reste. Putain d'hurleur! Bien besoin. Ça devrait le faire. Voyons ce qu'on a ici. À trouver. Alors, vous avez buté beaucoup de drifters aujourd'hui? Ouais, ça se voit à vos gueules. C'est quoi ce bordel?
que je l'aide. À l'aide! À l'aide! J'ai besoin d'aide! Par ici, je suis là! Aidez-moi! Pitié! En bonne approche! Qu'est-ce que... C'est qui ça? Ça va aller. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Où? Où ça? Je vais y aller, je vais y aller. Allez à Crater Lake, Wizard Island. Il y a un camp militaire. Demandez le colonel Garrett. Merci infiniment. Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Dis-leur que c'était Saint John, Deacon. Ils savent qui je suis. N'arrête pas, reste bien hors de vue. Sniper sur la route, bordel de merde! Et un connard de moins. Ça n'a pas l'air trop grave. Ça devrait le faire.
Et voilà. Ça doit le faire.